En train de prendre la tête. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la fin du siècle, 3,70 € un deck. Ça sent le brûlé là. Viens vite fait, Inch'Allah. Viens, viens. Alors. Mais viens, Inch'Allah. Oh. De toute façon, je t'ai pris de ma confiance. Hein, tu vas voir ce qu'il y a. Après, le reste, je m'en parle. Tu le compresses. Parce que c'est que des bouts de morceaux que j'ai récupérés de ma console. Ah, normal. J'ai pris le maximum que je pouvais. Parce que demain, à 14 h, je peux passer pour 30 heures. Moi, c'est demain à 14 h. C'est trop. Je peux compter sur toi, tu vas pas me dire, je sais pas. Parce que chaque fois que je passe chez toi, Zim, il t'a pas. Viens, ça fait 5 fois, 4 fois que je passe. Viens pas avec 3,70 €, ça rien. Quoi? Viens pas avec quoi? Viens pas avec 3,70 €. Viens pas avec. Non, je vais avec 30 ou demain. Ouais, je vais essayer de la prendre. C'est bon. Demain, je peux venir. Oui, ouais, passe demain, mon frère. Ça commence. Et mais je vais venir à 1 h 30 pour qu'on aille où jamais. Franchement, tu vois là, il est musclé. Attends. Mais moi, je vais te donner de moi, tu vois, moi, je suis pas une pute, moi. Bon, là, je suis quand même les idées. C'est la première fois qu'on l'a fait, 3,70 €, ça, ouais. Eh ben, on l'a, et bien, 3,70 €, ils en valent la peine. Demain, je te vois 14 h, ça va? Fume bien là, tranquille. Passe demain, tu vois, ça arrive. Mais à chaque fois que je passe le terrain, déjà. Alors, il n'est pas passé. Il n'est pas venu. Voilà. Pense pas demain. Fume la patate. Fume bien là, soir. Tu sais quoi, je te kiffe. On a ton réviseur sur le corps. Et monte ton vélo. Ou me laisse-le pas là. Je dis pas ça pour te faire chier. Mets-le dans le cadre, mais tente pas le diable, toi aussi. Prends-toi pas la tête, mon frère. D'accord, mon frère. Fume bien. Bon, Roya, à demain. Je fais le maximum pour toi. Je vais aller 30 € au jamais. Après, je passe chez moi et je reviens te voir. Et tu m'as promis que tu allais m'aider. Parce que je veux plus boire, je veux rentrer dans la religion. Aide-moi. Mais on verra, Inch'Allah, prends-toi pas la tête. Voilà. Pourquoi je ne me prends pas la tête? Tu vas prendre un truc. Tu vas prendre un truc. Oublie l'alcool, laisse tomber. Hein. Écoute. Voilà, t'as deux secondes. J'ai pas le temps. C'est Youssef qui me parle. Voilà, regarde. Hein. Je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est 1, 2, 3. Voilà. Écoute, voilà, tu vas écouter Youssef. Quand j'ai appelé ma mère et mon père, mais lui, il est parti dans un délire de dingue. Hein. Et depuis qu'il est dans la religion, il a pété un plomb. Voilà, il a pété un plomb, il a un truc de ouf. Regarde, attends, je mets le haut-parleur. Tu vas voir, tu vas rien comprendre. J'ai pas le courage. Mais non, mais quand tu vas entendre, quand tu vas voir comment il traite, tu vas voir la voix de Youssef. Non, j'ai pas le courage. Chauffe, c'est bon. C'est où ça? Moi je te dis, tu m'en chier. J'ai un téléphone que tu veux rendre au bon finir. Connard, c'est toi le connard. T'as compris? T'es le connard, t'es mon frère, t'es une merde. T'es une merde. Le prochain tu me donnes après toi, c'est une merde. T'as compris? T'as pas de couille, toi. T'as pas de couille. T'as pas de couille. Et si tu le fais pas, marche toi le cerveau. C'est pas fini. Mais demain, j'ai fait écouter ça à Walid. Toute la famille l'a appelé, ils l'ont démonté. Regarde, il est dans un délire. Je suis loin, ouais, ma tête a dû. Je ne m'en parle pas, tu ne m'as pas. Tu 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 m'as pas.
écoutez le Walidine, comme si moi je traitais le parent. Regarde, écoutez un délire. Je vais pas ce que tu fais, hein. Hey, il y a 5 télés dans la baraque. Mon mari m'a dit, à la fin du mois, je suis dans une télé. Et c'est mon grand frère. Lui, il est encore plus petit que moi. Je pourrais la ramener. Mais lui, il est pas au courant de tout ça. Lui, il croit qu'il gratte la famille. Alors, j'ai donné 5 ans pour voir ma mère et j'avais plus à la maison. Tu vois? Et j'ai donné. Oui, prends-toi pas à tête. Non, c'est ce que mon père m'a dit.